Salut tout le monde, c'est Totaï, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Hearthstone. C'est une petite arène où j'ai fait 3 victoires. En fait, j'avais un deck bien et j'ai fait 3 parties et j'ai fait 3 victoires, comme je viens de le dire. Et donc, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo, en plus le deck il est bien. Donc, je vais vous le présenter vite fait. Il y a un poison mortel, sang froid, déluge de lame, éviscération, boule instable. Limon résonant, ça c'est pas mal parce que genre tout à l'heure tour 2 j'ai fait limon résonant pièce sans froid, ça fait une. C'était une 2-5-2 tour 2 donc c'était pas mal. Loup alpha, agent du 7, chasseur de gros gibier, chevalier de sang, clair, golem, grizzly, worgen déchaîné. Tout à l'heure j'ai aussi gagné une partie avec ça. Le gars il avait. J'avais un full board, le gars il a fait une consécration, ça a enragé mon worgen du coup j'ai gagné grâce à lui. Ça c'est parce que les autres trucs c'était un wisp et puis un truc tout pourri. Un silence c'est bien. 3 embusqués à Nubar donc c'est vraiment pas mal. Non, des fois le râle d'agonie peut être pénalisant mais sauf que moi il m'a toujours aidé pour soigner des créatures. Par exemple j'avais un marche soleil qui était à 1 PV et grâce à l'embusqué ça me l'a remonté en main, du coup j'ai pu le rejouer full life avec le bouclier. Un garde de lumière parce que c'est pas mal. Yeti, lame d'assassin. Même si j'étais pas obligé de prendre le Yeti, j'avais déjà 3 embusqués, mais c'est déjà bien. Je préfère avoir un Sengin. Parce que c'est vrai que j'ai pas beaucoup de provocations, j'ai que le Grizzly, mais vu que je suis full contrôle. Une lame d'assassin, donc avec le poison ça fait très mal, ça peut presque tout cligner. Un assassiné, pardon. Forgeron malveillant pour enrager l'arme, c'est pas mal. Un cairn, alors j'ai tout de suite choisi le cairn des Vilou parce que mes autres cartes c'était un. Comment ça s'appelle? Un baron Veilfendre et. Un Maex, non, voilà. Élémentaire de givre qui peut bien temporiser le temps qu'on ait une chasse au gros gibier. Kidnapper, j'en ai 2 parce que. En fait, c'était. Il y avait soit Kidnapper, soit Limon Résonant. Comme j'en avais déjà un, bah, j'ai pas pris Limon. Et le troisième c'était Géant de Lave, et puis comme Géant de Lave c'est pourri en arène, bah voilà. Et puis le pièce Kidnapper c'est super bien tour 5 pour renvoyer un Yeti par exemple, ou un truc comme ça. Et puis le deuxième ouais c'était pareil. Marche Soleil ouais, donc pas mal. Sprint pour se remettre dans la game c'est parfait. Donc c'est un très bon deck avec, j'ai pas compté, mais il y a... Il y a 1, 2... Il y a Limon, 3... 5 épiques et une légendaire quand même, c'est vraiment pas mal. Enfin, je crois que je n'ai pas oublié. Voilà, 5 épiques et 2 légendaires en arène, c'est vraiment bien. Donc on va tout de suite attaquer, je vais peut-être baisser un peu le son, c'est peut-être un peu fort peut-être, je sais pas. Donc on va tout de suite attaquer pour la 4ème partie, enfin la première partie en vidéo, mais la 4ème partie pour moi. Donc voilà, j'espère faire un bon score dans cette arène. Il est toujours en train de rechercher un adversaire. Ouais sinon ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo parce que ben, j'avais pas trop d'idées et tout, mais s'inquiétez pas ça va reprendre. Sur Minecraft j'arrive plus trop à faire des vidéos parce que ça lag mais du coup je ferai plus de Hearthstone. Alors un mage en arène c'est pas étonnant. On va virer ça, c'est trop lourd. La goule instable elle est bien pour contrer tous les drops 2. Enfin non pas tous. Parce que, enfin, surtout en fait, parce que si c'est une 3-2, ben elle meurt en tapant la goule, et si c'est une 2-3, ben elle tue pas la goule, et là je peux trader avec elle. Donc là, c'est parfait. Tour 2, on peut jouer le limon. Tour 3, on peut jouer ça, si. Enfin, après, ça dépend de ce qu'il pose. Après, je peux faire une dague s'il me pose une 2-1 ou autre comme ça. Après, tour 4, on pourra poser ça. Donc pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Après faut toujours attendre de voir ce qu'il pose pour décider. Je me demande. Donc on joue contre Lacnoc qui n'a pas l'air de vouloir jouer. Je suis actuellement rang 9 parce que en fait je scie tout le temps, ça fait genre une semaine. Que je passe du rang 10 au rang 8, au rang 10, au rang 8, au rang 10, au rang 8. Et bien sûr, comme un coup, je fais un mouvement avec mon doigt, mais vous voyez pas. Ouais, donc je fais toujours ça, c'est un peu chiant, surtout avec ces putains de chasseurs, voilà. Ouais, bah les temps que manque. J'espère qu'il est pas efficace, sinon ça va être chiant.
Bon, ça ferait une cuisine. Ah, bah d'accord, j'ai pas. Ah, ouais, j'ai pas pensé au 1-3. Alors, si. Non, c'est pas ça, mais c'est bien en fait. Parce que une 1-3. Oui, c'est bien. C'est encore mieux qu'une 2-3. Ah non, c'est pas mieux. Je peux taper dedans avec ma dague, ça lui fait une 1-2. Mais. Si je fais ça, il va peut-être faire un sort. Oh, faut juste qu'il ait pas un écart de vue. Mais ça, c'est vrai. Donc là, s'il a un sort genre entité miroir, c'est bien. Ah non, non c'est pas bien. Bah oui, parce que sinon il fait entité miroir. Ok, la pièce. Ah ouais, merde, j'ai oublié de la pièce. Cobra. Cobra, ça me dérange pas. Alors là, si je traite comme ça, lui il meurt, mais lui il a deux. Alors que si. Déjà, je vais faire la dague parce que je vais sûrement pas comme ça. Alors, si je tape lui, il est à 1, et si je tape lui, il est à 1, et lui, il est mort. Donc après, vu qu'il est à 1, je pourrais le taper avec ça. Donc, comme ça. Passe. Et voilà. Donc là, il a mis 2-1 sur table, mais c'est pas très, ça fait pas très peur. Parce qu'au prochain tour, on pourra la cligner avec la dague et mettre un embusqué. Peu importe ce qu'il pose, à part s'il pose une provocation. Par contre, s'il pose une provocation, ça peut être dérangeant parce que il pourra. Enfin, je pourrais pas le trader et puis il pourra mettre une. Il pourra me tuer l'embusqué gratuitement. Donc, s'il y a une provocation, je mets le prix sort pour silencer la provocation. Et s'il met plusieurs provocations avec l'entité miroir, je silence ça pour pas qu'il me tue l'entité. Ok, je fais ça. Qu'est-ce qu'il va poser? Ah, d'accord, il le remonte. Donc s'il le remonte, bah je veux dire tout simplement je l'embusquer. Parce que c'est une 5-5, il peut pas la tuer avec son pouvoir plus ça. Je pourrais jouer ça, mais si je joue ça, je peux presque rien faire d'autre à part refaire ma dague. Et donc c'est un peu dommage, surtout que ça ferait que 2-1-2 pour faire jouer l'embusquer. On va pas taper sa tête parce que déjà ça sert à rien. Le point de vue c'est pas. En arène il faut contrôler, ça sert à rien de taper la tête. Et comme ça, si au prochain tour j'ai un drop 5, enfin je crois pas que j'ai beaucoup de drop 5 dans mon deck, mais si au prochain tour j'ai plusieurs trucs à jouer, et ben je pourrais. J'aurais pas besoin de refaire. Enfin, comment dire. Voilà, ouais, c'est ça en fait, j'aurais pas besoin de refaire ma deck. Alors là, faut pas oublier qu'il a un Cobra Empereur en main qui coûte 2 ou 3, je sais pas, 3. Ouais, 3, voilà. Donc il risque pas de le rejouer de sitôt. Ok, donc ça, c'est plutôt pas mal. Parce qu'on va pouvoir cleaner l'ingénieur avec la dague et le 2-3 avec le 5-5. Maintenant, si je clean le 2-3 avec le 5-5, il va sûrement me le trade avec le 3-2. Ouais. Et bien s'il fait ça, c'est pas grave. Donc, je pense qu'il va faire ça. Donc on va faire ce que j'ai dit, on va faire ça, et ça, et ensuite on va mettre le limon, comme ça quand lui va mourir, il va renvoyer un limon, parce qu'il y en aura deux. Et ça, est-ce qu'on le met? Non, parce que, ah si, peut-être, c'est peut-être pas mal de le mettre, parce que si on met lui, il va peut-être vouloir trader lui, donc ça va laisser lui en vie, mais le moins bon ce serait qu'il trade lui et que lui remonte. Il a un cobra empereur. Si je joue le cobra, c'est pas grave, j'ai un silence. Donc après, lui, j'ai pas beaucoup de boucliers à part le marche-soleil. Enfin, en fait, j'ai que le marche-soleil. Donc on peut le jouer. Et puis s'il remonte. Et puis s'il remonte en main, et ben c'est tant mieux parce que ça pourra le. Je pourrais que mieux le jouer que maintenant. Donc là, j'ai bien pris le board control. L'embusqué, c'est vrai qu'il peut me faire perdre le board control en me faisant remonter ma 3-3, mais j'aurai quand même 2 limons. Et tour prochain, je peux faire Cairn ou ça. Tout dépend de ce qu'il pose et de ce qu'il remonte. Ok, un Drake, parfait. Donc là, il va sûrement me trader mon embusqué. Voilà. Donc là, j'espère que c'est un limon qui va monter. Ok, parfait. Je peux mettre ma 3-3. Et le limon et mettre un cairn comme ça. Ouh, une éviscération, c'est encore mieux ça.
Et ben là, je peux mettre un limon, une éviscération et la dague. Et ce serait parfait. Bon, je peux. Silence, on sent rien. Donc, on va faire ça, comme ça fait encore plus de board. Tac, la dague et la petite éviscération tranquillement. Et on va tout. Bah là, on peut tout mettre dans la tête. Et j'ai envie de dire qu'on peut. Je sais pas si on tape avec la dague parce que. J'ai pas envie de refaire ma dague s'il me. Comment dire, s'il me pose des créatures. Parce que j'ai un 6, j'ai un drop 6. Enfin, au prochain tour, je vais faire ça. Après, sprint. Donc, non, je vais pas taper avec la dague. Oh, le bouton est cassé, ils ont toujours pas réglé. Donc là, il a 7 cartes en main. J'espère qu'il va pas. Il va peut-être cône de froid. Ok, d'accord. Ce serait pas mal qu'il fasse un flame strike. Ok, il ping la 3-2. Donc on peut tranquillement mettre le cairn. Voilà. Okay. On va toujours pas taper avec la dague. Donc là, s'il a un flame strike, ça tue tout sauf le cairn. Et le cairn, il reste à un point de vie. Donc c'est plutôt pas mal. Alors. Ok, on va fusiller. Encarter dans cette situation, ça va être bien. Un grizzly, pas de problème, je pourrais le trader avec le cairn. Et ça, par contre, c'est un peu plus sûr. Mais bon, heureusement que j'ai fait ma dague. Alors, ça, le loup, il va être parfait. Par contre, il faut que je le mette comme ça. Voilà. Comme ça, je peux faire. Je peux mettre ça là, un coup de dague. Ouais, les deux. Les deux de 1, enfin les deux attaques à 2 dans les 0 2. Et F13 avec le cairn. Et là on peut. Là il faut surtout pas mettre le grizzly parce que s'il y a un flame strike, et ben il tue tout, même le grizzly. Quand même on va mettre le marche-soleil. Moi je suis toujours en fonction de s'il y a un flame strike, de toute façon c'est ce qu'il faut faire. On met le marche-soleil comme ça, s'il y a un flame strike. Et ben le marche-soleil survit, le cairn repop, et c'est parfait. En plus il passe tout son tour à ça. Manipulateur. Ok, pas grave, on a un bout de sort. Ouais, vrai sort, ça ferait une 4-5 à gérer. Je vais mettre Kern et un coup de dague. Ah, donc ça c'est chiant. Ah, est-ce que. Non, si je trade ça, je pense pas qu'il y a. Donc on va silence. On va. Quoi, on n'est pas obligé de Kern. Réfléchis. Kern. Bah déjà on va voir si ça. Ouais, c'est bon, il meurt pas. Parce que oui, parce qu'il l'a pas endommagé en fait. Il est. Endommagé c'est. Non en fait, c'était quoi? C'était blessé. Ouais, voilà, il a marqué. Blessé. Donc il l'a pas blessé, il a juste fait perdre son bouclier. Donc je vais faire. Ouais, je vais faire ça. Comme ça, Bane va repop. Il va juste comme ça. Je suis à 19 PV, je sais pas si je vais mettre un coup de dague, mais je vais quand même trade comme ça. Parce que 19 PV contre un mage, ça peut être dangereux. Surtout parce que là, j'allais me prendre encore 4. J'aurais été à 15. Après, s'il a une boule de feu et une pyro, je serais un peu dague. Donc là, on va mettre le Orion ici. Et on va taper la dague et refaire la dague, voilà. On va mettre un Orion ici, parce qu'il booste, il est boosté avec le loup. Et que le. Comment ça s'appelle? Le marche-soleil, c'est pas la peine qu'il soit boosté. Là par contre, je suis plutôt sensible au flame strike. Mais s'il fait un flame strike. S'il me fait un flame strike, c'est pas grave parce que je pourrais me refaire la main. Ok, donc il peut pas faire de flame strike. J'aurais pas parlé. Il ne peut pas faire de flame strike ce tour-ci, voilà. Parce qu'il a plus que 6 de mana. Au pire, le flame strike, 5 c'est 2-4. Ouais, c'était quand même. Un ship, il le fait sur quoi? Sur le Worgen. What? Il est fou lui. Fou, il veut pas sur le 4-5 quoi. Ok, les projectiles qui tombent bien. Est-ce que j'ai l'étal? Ah bah avec ça je pense que 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ouais, on a l'étal. On va faire ça pour comboter. On va finir avec le mouton. Et voilà, une partie plutôt bien mené. Tranquillement, pas trop de soucis à se faire. Voilà.
Et avec mon magnifique rang 53. Avec mon voleur. J'en suis très fier. Bon, même si je sais qu'il y a plein de gens qui sont tous leurs niveaux. Enfin, c'est pas tout, mais. Je sais qu'il y a plein de gens qui sont leur classe niveau 60, donc. C'est pas très. C'est pas vraiment un exploit, mais j'en suis fier. Il va le dire. Bon. Toujours le même deck. Qu'est-ce que. Oula. Un petit bug de. Ok, donc. J'ai un petit bug de souris, je pouvais pas bouger ça. Ouais, en fait, je disais tout à l'heure si j'ai un drop 5 qui sort, sauf qu'en fait, j'ai que le forgeron en drop 5. Et là. Assassiner, c'est pas trop un drop 5. Donc, allez, on va tout de suite repartir sur un match. La vidéo durera. Je sais pas. On verra. Je pense que je vais faire 2 ou 3 parties. Ça dépend combien de temps elle va durer. Celle-là. Après, faut pas que ça dure. Faut pas que ça mette trop longtemps à l'upload non plus. Ah, le petit crâne. Oula. Ouais. Petit crash d'Hearthstone. Ok. Ok, un druide. Alors, un druide, qu'est-ce qu'on a à craindre? Enfin, c'est pas qu'est-ce qu'on a à craindre, c'est surtout qu'est-ce qui peut nous faire peur. C'est la même chose en fait, je me rends compte. Bon, alors, on garde le limon. Si on a un sang-froid, c'est top. Ça fait 2-5-2 tour 3, enfin tour 2. Ça, c'est pas mal en drop 4 parce qu'on a drop 2, drop 3. Agent, s'il y a une 3-2, on peut faire pièce agent tour 2, c'est super. Et golem des moissons, c'est un bon drop 3. Donc, on va tout garder. Ouais, lui, il a d'autres cartes normales. Moi, j'ai pas d'autres cartes de Max Ramas parce que j'ai pas tout fini en héroïque, voilà. Il me manque. Je sais pas ce qu'il manque. Il manque. Kel'Thuzan et le gars. Tadius, voilà. Ok, donc ça c'est parfait. On fait pièce agent du 6-7. Ça on pourra le faire au tour d'après. C'est pas un problème. Ok, donc là franchement on est pas mal dans la game. N'importe. Peu importe ce qu'il met, je vais pouvoir le gérer avec mon agent. À part s'il fait innerve et puis quelque chose de bien. Donc là, je vais pouvoir gérer tout ce qu'il y a avec mon agent. Le limon, il va faire une 2-5-2. C'est pas mal. Qu'est-ce qu'il peut sortir? Ouais, bah en fait, il peut sortir que des 3-2 ou 2-3. Il n'y a pas grand-chose avec 4 PV qui coûte 3 de mana. Ok, donc là, il sort carrément rien. Donc c'est nickel pour nous. Il sort rien du tout. Bon, donc là on va pouvoir faire le combo de la mort. Limon résonnant. Et son froid sur le limon. Et voilà. Et là on est complètement cheaté. Parce que tour 3, voilà. On a 2-5-2 et une 3-3. Donc là même s'il fait innervation. S'il fait innervation en sein de la guerre, bon, on peut le gérer. Et après il aura plus que 3 cartes dans sa main. Mais bon, ça m'étonnerait qu'il ait 2 inerves mais surtout un ancien de la guerre. Que faire, tu m'étonnes. Là s'il pose un Yeti, on peut largement le gérer avec une 5-2. Franchement, je vois pas qu'est-ce qui peut nous arriver. Hein. Peut-être un balayage, par exemple, j'ai moins 5 kobolds, innervation, balayage, sur le 3-3, mais ça devrait. Ok, une 5-6, on va pouvoir le gérer avec une 5-5. Bon, en même temps, j'ai 13 points de dégâts sur le board, alors je sais pas si je vais pas aller là, l'aggro. Parce qu'en fait, c'est que dans 2 tours, c'est fini, quoi, avec si je fais ça. Ah, mais non, j'ai lui aussi un bouclier, j'avais oublié. Qu'est-ce que je fais? On va tenter de le faire à l'aggro. Voilà, donc là, tour 4, il est à 15 PV. En arène, c'est. Enfin, 4-5, quoi. Il a 15 PV. En arène, c'est vachement fort, ça. En construit, en aggro, il y a plein de decks qui peuvent faire ça, surtout le voleur dans ta face ou le zoo. Mais sinon, c'est vachement fort. Donc là, une ingénieure, parfait, rien à craindre.
Même s'il me tue une 5-2, on a 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14. On a 14 de dégâts, même s'il me tue une 5-2. Donc on peut le mettre à 1 PV, voilà. What? Hein? Quoi? Mais on a gagné! Mais il est con! Enfin, je sais pas ce qu'il... Souvenez-vous de Kentalas. Je me souviens de Kentalas. Voilà, ça c'était de la game rapide, bon bah du coup on va faire une troisième partie. Vous voyez les limons c'est vachement cheaté. C'est pour ça, moi au début j'étais sceptique de prendre les limons en arrière parce que je me suis dit ouais, il y a pas trop de boost et tout. Mais quand j'ai vu que, après j'avais un sang froid, j'ai tout de suite pris. Enfin j'ai tout de suite dit ouais. Trop... Donc on va faire une troisième partie, on va espérer faire un 6-0. Ce serait bien de faire 3 vidéos avec... Avec 3 victoires chaque vidéo. Mais bon, là, si je fais 12 victoires, franchement, c'est super génial. Surtout que j'ai jamais fait 12 victoires, en fait. Je sais pas pourquoi ça lave comme ça pendant les recherches d'adversaires. Aucune idée. Ok, un chaman. Contre un chaman, le combo du limon il est peut-être moins intéressant parce qu'il peut avoir sa fourche d'éclair. Oula, en plus il rend les ondes. Enfin, il a deux cartes. Alors, qu'est-ce qu'on garde? Worgen. Je sais pas. C'est vrai que Worgen sans froid c'est aussi bien que limon sans froid, mais. Le poison, on va garder déjà parce que ça peut gérer n'importe quoi à tour 3. L'éviscération, c'est plutôt pas mal. Mais bon, après, on a que des réponses. Donc, l'éviscération, je vais l'enlever. Et j'ai. Je sais plus si j'ai beaucoup de drop 2. Le Worgen, j'ai envie de le garder, mais je suis pas sûr. C'est vrai que. Worgen. Non. Non, je vais pas le garder. Embusqué et sprint. Bon, j'aurais mieux fait de garder le Worgen. Donc on fait rien. Alors j'espère qu'il va pas trop avoir d'une. Qu'il va pas trop avoir de créatures. Croc zombie. Ça va, c'est pas trop grave. On fait la dague, comme ça on peut faire poison mortel pour lui tuer ça. Après je sais pas si on va faire ça. Parce que. Ce serait bien qu'il pose une écuyère. Même deux écuyères, c'est parfait. Ouh là 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 là, ça commence mal. Un sang-froid. Ouais. Je peux pas faire grand chose. Ce sera rien que je mette ça parce qu'il va se faire taper par ça. Quoique c'est pas mal qu'il se fasse taper par ça quand même. Oh non, il va sûrement se faire éclair. Mais quoi, pas le bon, il va taper ça. On tape lui parce que il peut être chiant. Il peut être chiant par la suite parce qu'il a. Il peut pas se faire cibler par les éviscérations. Et puis que de toute façon lui il va nous redonner de la vie alors c'est pas très important de taper le mur. Ok ça va, il fait plus rien. Donc là on va largement reprendre l'avantage. Parce que il a une 1-1 et moi j'ai une 5-5. Et ma vie franchement 26. Le plus 5 du croc zombie il m'a largement aidé. Donc là il fait ça, il est seulement un éclair. Non même pas. Oui il a fait ça alors. Ah pour que je sois à portée de vie. Ok bien joué. Ouais du coup c'est vrai que c'est pas mal parce que peu importe ce que je vais mettre, il va se faire remonter. Donc c'est vrai que c'est bien. Je pourrais faire un sang-froid, comme ça je peux poser quelque chose. Je pense que je vais faire ça. Si je fais un sang-froid de... Ouais je vais faire Je vais faire un sang-froid. Ouais. J'ai pas fait en combo le sang-froid, déjà c'est parce que c'était pas la peine, parce que, vu qu'il avait que 7 PV. Et c'est parce que si j'avais fait un combo, fallait que je pose une autre créature avant. Et il me l'aurait remonté en main, donc ça aurait servi à rien. J'ai des kidnappers, c'est pas mal. Enfin, c'est pas mal. C'est un peu pourri pour l'instant, mais. 6, marche soleil. C'est dur ça. Oh, mais non, mais c'est pas dur, mais je suis trop con! Oh mais oui, mais c'est génial en fait. Mais voilà. Ah.
sert ce chevalier de sang? Bah oui, bah c'est parfait. Enfin, parfait. Pas vraiment parfait parce que le Anubar il a un, mais. Bon. Ouf, on est mort lui. Non, 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 non. Oh merde. Bon. Voilà un exemple de la. Comment on dit? De la. Un exemple que le truc il est pas bien là. Que la Nubar il est pas bien, voilà. Donc j'en perds un peu mes moyens, mais bon. Donc on va faire une ici pour créer ça. Il a quand même eu de la chance d'être son bombardier, faut quand même. Il y avait 4 cibles et ça a ciblé lui. Merde, j'ai fait désolé, je voulais. J'ai évité. On va éviter de l'écouter lui parce que sinon je fais oh pardon. Bon, alors, est-ce que je tape la tente? Non, je vais pas taper dans ça. Je vais taper sa gueule parce qu'elle est pas sur la dalle. Donc là, franchement, Anubar, ça a montré sa faiblesse. J'avais le board contrôle, j'étais parfait. Et Anubar, il m'a coûté là, le board, voilà. J'aurais pu assassiner, mais vu que je pouvais le gérer d'une autre manière, je pense que garder l'assassiner pour une autre bête, enfin pour une autre créature, je pourrais pas le gérer la première fois, c'est pas mal. Donc là, il a tenté le couteau sur lui pour pouvoir trade comme ça. Ça a pas marché. J'espère qu'il a pas d'autres créatures pour le faire. Nous devons purifier le puits de soleil. Ah, d'accord. Donc ça, c'est un peu la merde. Bon. Ouais. C'est vraiment pas bien. Il a 3-3-2 et une 5-1. Je peux taper la 5-1. Ça, c'est sûr. Enfin, je sais pas si c'est sûr. Faut que je mette un kidnapper pour qu'il me trade avec sa 3-2. Je peux pas faire comboter le kidnapper pour lui renvoyer une carte. C'est un peu dommage. Sprint, c'est très dangereux parce que. Quoique sprint, c'est pas si mauvais en fait. 1, 2, 3, 4, 5, ça me ferait 9 cartes. Bon, je vais faire ça. Il faut que je m'appuie pour avoir une présence. Donc là, il faut qu'il me mette 2-3-2 dans ça et qu'il en garde une. Donc logiquement, il va trader les deux là comme ça et il va garder le jongleur. Parce que le jongleur il a un pouvoir alors que les autres ils en ont pas. Bien sûr, pour lui, normalement. Enfin, pour lui, c'est mieux qu'il garde une des deux, mais il ne sait pas parce que je vais renvoyer les deux. Enfin, non, même pas parce que je ne sais pas. Donc là. Très dérangeant parce qu'on est à 11 PV. Je pense pas qu'on va la gagner cette game. Surtout, les gens, mais... D'habitude, je me focalise pas sur d'autres cartes, mais là. Je vois pas ce qu'on peut faire. Alors, on peut. Enfin, je vois ce qu'on peut faire. Mais... On peut assassiner la 3-6. Mais après, on peut. Enfin, bon. Je vais le faire parce que j'ai plus que ça à faire. Mais le garde-lui. On va surtout pas taper dans la 3-2. Le but c'est qu'il mette un totem qui tape le bouclier et qui trade comme ça. On perdra du board, mais en même temps. En même temps, c'est bien parce que lui aussi. Et vu nos PV, c'est mieux qu'il perde. Aussi, il a 3 cartes. Il a un moteur de pioche. Et nous on a un autre masseur de pioche mais qui coûte 7 de mana donc c'est un peu moins bien. Donc là qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il y a top deck? Il y a top deck un chevalier de la mort. Wow. J'espère qu'on va avoir un drop 4 pour pouvoir lui renvoyer dans la main. Ce serait le mieux. Oula, il va au dégât quand même. Wow. S'il va au dégât c'est bien parce que je suis. Enfin c'est bien. Entre guillemets. Alors là, c'est le. Ce serait un parfait poison de l'UD. Alors, j'ai 17 cartes. Je peux pas faire comboter le kidnapper. Donc, je suis obligé de piocher. Non. 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 Et merde.
Bon bah je pense que c'est une partie de perdue. Alors 4, 5, 6, 7. Non, ben non, je peux pas. Parce que même si je lui enlève celle-là qui fait le plus de dégâts, ça me ferait 7 et j'ai 7, donc je suis mort. Souvenez-vous de quel talas. Je le fais quand même. Bon, ben c'était une bonne partie. Je veux dire bien joué quand même. Et même pas bien joué. Donc c'est sur cet abandon qu'on va se laisser pour cette vidéo. Bien joué Mani. Merci. C'est sur cet abandon qu'on va se laisser pour cette première vidéo. Donc je vais vous dire à plus souvent pour la suite. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut !